richement béni. Asseyez-vous dans sa présence. Quelqu'un est là? Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse tous. Soyez richement comblés au-delà de vos attentes. Amen. Merci, merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde de combat. De combat perpétuel. Et l'ennemi utilise des armes puissantes ou des armes lourdes. Dans l'intention de nuit d'éteindre le feu et la flamme de Dieu. Et donc, c'est aux chrétiens aussi de prendre les armes. Les armes les plus puissantes. Dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 9, et l'apôtre s'exprime sous la conduite du Saint-Esprit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Gloire à l'Éternel. Il y a quelque chose que le diable envoie. Dans la vie des chrétiens, pour les dominer, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Je vous invite à lire avec moi. 1 Roi 3, verset 20. Chapitre 3, verset 6. On va lire le 20 d'abord. Mais elle s'est levée à minuit et a pris mon fils d'auprès de moi pendant que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein et elle a couché dans mon sein son fils mort. Oui, Rabbi. La yika yunsuka mamson kwen wakate andik man bivira en gandra serre. La ligne de Bikina en grande mamser. Vous connaissez bien ce passage. Il y a musique en grande. Si vous voulez, vous pouvez lire à partir du verset 19. Il y a un temps d'attente. Il y a un temps d'attente. Il y a un verset pila. Ah ouais, on dit tant pis. Il dit le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Oui, mais la yunge pour kanga ganame en podabig en coup. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. La yika yusuka mamson kwe wakate andik mam bivira angandra serre la rik nyenda bikinga angandra mam serre. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. La mamson yikibero tomna anyehman biga. Et voici, il était mort. Mamika menti ya bikinga. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Zinga senyere mamara mengen jes biga nere la mamika men tika bininga mamson doraye. La Bible dit. Wena msa yela men. Que la deuxième qui a eu son enfant. Il va savoir son père. Il s'est couché sur l'enfant. À quel moment? Il s'est couché, je ne sais pas à quel moment, mais il s'est couché sur son enfant. La agana même pour d'abîme. Et l'enfant est mort. Tu biga qui? Il s'est réveillé. Ça va neke? Il s'est réveillé. À neka me? Il s'est réveillé. À neka me? À quel moment? Wakat bro. Elle s'est réveillée à quel moment? Wakat bro là ce n'est pas. À quel moment?
Yonsuka. En ce moment, à minuit là, où était l'autre là? La Yonsuka. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était parato arabe. Jusqu'où? Le? Il y a la gueule. Jusqu'au matin. En temps hiver. Elle s'est levée à minuit. La yenda yika Yonsuka. Les gens se lèvent à minuit. Neba yik de Yonsuka. Pour réussir, il se lève à minuit. Na yenda te ban pamton retouma pour un yik de Yonsuka. Quand vous levez le matin, vous allez dans les grandes carrefours là. Vous allez voir les têtes des âmes. Vous allez voir les têtes des chameaux. Les croisements de rue. Vous allez voir de n'importe quoi. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas qui est venu mettre ça. Et vous passez. Yam purde. Il vole vos bénédictions. Il vole vos bénédictions. Pour mettre dans le compte. Ça veut dire qu'il vous appartient. Ça veut dire que c'est des gens qui font des hold-up spirituels. Et quand ils vous volent spirituellement, levez-vous le matin. Ça veut dire que c'est eux qui ont le bonheur et vous souffrez. Il s'est levé à minuit. Le diable opère beaucoup plus à minuit. Et le chrétien dort bien à minuit. Là, Jésus-Christ tire bien son ma Yonsuka. On est fatigué. Voilà, même hier, mais. On est fatigué. Ah, ton hier, mais. Ah, j'ai beaucoup travaillé. Ah, même tout ma Yonsuka. Tu dors. Faut bien. Et tu es la queue. On be zoure. Elle est la tête. Il y a Zougou. Elle a fait un échange. La atekla s'entekan. La mort. Elle a pris la mort la mettre chez toi et prend la vie. Allez que kouma n'infonenge ndek vima. Écoutez. Mais quand vous continuez la lecture. Dans un kien tori. Elle a dit. La femme a dit. Pareil la mia. La première des choses, il dit. Elle s'est levée le matin. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Pour nourrir mon fils. Pour faire grandir mon fils. Pour donner la promotion à mon fils. Pour avoir une certaine autonomisation. Parce que si un fils arrive à un certain niveau, elle devient maintenant le soutien de la maman et de la maman. Bala bi sawa bi ntazininga. Voilà pour cela le diable dit de tuer le fils. Parce que les fils sont des défenseurs. Les fils sont là pour t'aider. Quand vous voyez, on dit ah, Azalia Roa. Quand on dit voilà, un tel c'est un homme. On peut utiliser Ayaroa parce qu'il a fait une grande réalisation. On peut dire c'est vraiment un fils parce qu'il a fait un grand investissement. Bala Azalia Roa bala atuma tum nere tineba fane. Ya Rola Woto. Voilà un homme. Ya Bible Kwenga. Voilà un vrai fils. Et on disait que Ruth était plus que sept fils, sept garçons. La branche comme la Ruth yele, y est à Ruth y est comme d'oublier Yopwe. Donc, il y a des femmes fils. Parabembe y a comme d'oublier. Et le diable vole les fils. La sultana a zou de comme d'oublier. Vos vies. Yam vim. Et il les change avec pour eux. Ntekda yenda bengrenda. Et vous tombez dans le bas-fond. Et eux, ils sont en haut. Et ils montent. Et ils font ça dans le monde des ténèbres. Et c'est à minuit. Au moment où tu es en train de dormir. Au moment où tu es en train de ronfler. Au moment où tu trouves que tu es bon maintenant de vivre. Oui. Donc, c'est la même chose.
Et Jésus l'a répété. La Jésus me goma bon dans Matthieu 13. Matthieu pila tabo. Le verset 25. Verset pis il a à nous. Il dit mais pendant que les gens dormaient. Wakat ninga ne va son wa ungwa. Son ennemi vint. Yé bewa wa. Ses mains de livrer parmi le blé. La yenda bouda natam se orazuka mbahando. C'est Matthieu le verset 24 là. Si vous lisez à partir du verset 24, il dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, et que lui dormait aussi, il dit son ennemi. Tu es un ennemi. Qui veut semer la confusion dans ta vie. Semant du livret parmi le blé et s'en alla. Bien que cela symbolise comment le diable a mis des gens au milieu du peuple de Dieu. Pour semer la confusion et pour semer la confusion, pour que Dieu, la joie de Dieu ne soit pas parfaite, cela s'applique aussi à notre vie personnelle, à nos entreprises aussi. Bon kanga, pipi, amam ta wendam neva souka, soutana santin neva, te obnawan zunglugu, la kawum tabasam, wendam neva vima, la lebem mamsta, ton fa yemurim vima pour me. La femme dit que je me suis levé le matin. La pareille, la mette ma mika yibiro. Et voici, il était mort. Mikta yabikiena. Et regardez. Yes, verset 21 là, toujours nous sommes dans 1 roi 3 là. Donc, chapitre à table. Il a dit, je l'ai regardé attentivement. Yo, ma mère le matin. Je l'ai regardé attentivement le matin. Ma mère a mené une guessanire, pura son vira. Et ce n'était pas mon fils. Là, à Kamambiri, que j'avais enfanté. À Kabini, Mam Sandarandouraï. Je l'ai regardé attentivement le matin. Zinga Sanire, ma mère a mené une guessanire. C'est bien vrai. Yassida. Cette femme était apaisanti par le sommeil, mais elle était une femme de la parole aussi. Pokanga gwemda en yoka la main ta agusi la ya parson be wenam gomda pour me. Elle était apaisanti par le sommeil. Gwemda en yoka yeta agusi. Mais elle était vexée dans les saintes écritures. La la on be wenam gomda pour me. Et c'est les saintes écritures qui nous donnent de discerner. La goule somia en son ton de ton notre de scruter. On bang ton ton wela bang boum on fan wela. De sonder et de faire la différence. J'ai ton ton tancé on wela boumba en etaba. Il dit je me suis levé le matin. Oui, un petit beau son vin zinseigneré mamie. D'une part. Zinga yemre. Le matin, ce matin ici, c'est l'éclairage aussi. Zinga Seigneur, à Willy Davin, Namsonwa. L'esprit ouvert. Si Rasan, on yama son pouki. Dieu qui ouvre notre esprit. Wena mensen am poukoton yama. La parole de Dieu qui nous illumine. La wena mgom da son viendra tondo. Nous sommes, nous devons nous laisser illuminer par cette parole. Concernant Bahamti, wena mgom da men viendra tondo. Cette lumière. Venam kanga. Que la lumière soit. Divine moi. Et la lumière fut. Divine m'sidzindi. Ce fut le premier jour. Yipipirara. La lumière. Venema. Nous éclaire et nous amène à réussir. A venir d'attendre on s'en retente pas. Je l'ai regardé attentivement. Ma mère a mené un gesbiga nere. Attentivement. Un gesbiga nere. Elle reconnaissait quand même son fils. L'année d'ami a biga. Je dis, celui-là n'est pas mon fils. Non, comment bien. Hey, ma soeur. Mon frère. Babylon. Regarde attentivement. Dans ton milieu. Toi avec tes camarades. Toi avec tout ce qui se passe. Je ne parle pas de. D'une manière générale. Sans avec
tout ce que tu as comme bagage. Ne faisons tare et banganinga. Il y a sur l'autre côté, les autres là, tu les vois, ça ne vaut rien, mais ça marche. Connais un petit nebatar, un katafo, la bam yela ya yoliole. Mais ça ne va pas. Pourtant, ce que tu as construit là, ce que tu as préparé là, c'est plus consistant, mais ça ne marche pas. La fonenga wa yolon katolon lebede beye, ba la fosi yolon sel bumninga, la fosi tar bumninga aya wuso. Parce que voilà, le diable sait que si tu réussis, ce serait un fiasco total pour lui. Sultan a mis un petit faux menga sans parmiere, la tour vit ma pour un y'a rien d'accord. Daniel ne s'est pas plaint. À Daniel, quand il ramie, cette femme aussi ne s'est pas plaint comme ça d'abord. Pour quand même, avant quand il ramie, il a scruté, il a discerné, il a regardé, il a observé. À Mara, menga gêneré, mbalé, mbangé. Il dit non. Il est ayo. J'ai compris. Mbanga me. C'est sûr. Mi me. Je sais. La mi c'est là. Je suis convaincu. Mi akika. Que c'est mon fils qui vit là. Ti amam biga enketem vio. Et c'est ça maintenant qu'il a monté son dossier. La wakar kang la nyirika ayela maha. Pour aller en procès. Nankeng bourzing. Contre cette voleuse. Anti bou ne wagdran. Pour contre cette voleuse. Nankeng bou ne wagdran. Il a monté. A tien gamé. Il dit non, on va aller. Ils se sont présentés tous devant le roi. Devant le Seigneur, des Seigneurs aussi nous pouvons nous présenter devant lui. Voilà. Et il a commencé à expliquer. Si vous continuez la lecture, oui, c'est devant le roi qu'il est en train de parler. Il y a un roi. Verset 21, il a dit, ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Le matin venu, et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. Verset 21, c'est le roi qui disait comme ça. Ma mikame ti abikinga zinga senyere ma mara mengenge biga nere la mamikame. Voilà l'autre femme, la voleuse dit. La apparato a signé. C'est faux. Verset 22. C'est faux. C'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et c'est ton fils qui est mort. Parayem raye lamia. Kassirie. Bivira ya mambiga. La bikinga ya fubiga. C'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. La bibisoba ki samé. Yelia. Ayo. Kawotoye. Ya fomo so bikinga. Le roi constata, l'une dit, c'est mon fils et qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, absolument pas, c'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant. Voilà, ça c'est verset 23. Voilà. Verset 24 maintenant. Bambo biba oué, no kwem de netabo tone rimator. Le roi dit, le verset 24, dit, puis il ordonna, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit alors, coupez en deux l'enfant qui est en vie et donnez-en une, la moitié à chacune. La verset pisidana san rima salmo ye la me te wa ne sura la tipta la sura wa. La rima ye la me te wa ke bivira en patra yibu on dit que bora ye mre. On compare la brique pour la comparatoire. Alors la femme dont le fils était, qui était vivant, fut remplie de compassion pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui est en vie, ne la faites pas mourir. La bivire nimbala yoka amawa tayele, onna, imkoti la me, ti kon bivira. Tu crois vivre la raquoye la para yemraye. Mais l'autre répliqua, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupe-le. La para yemraye la me. Parce que biga zinza yibu ti ton fan konge. Voyez l'esprit de méchanceté. Ni win l'homme sire la auto. Quand on a lu ce passage là,
tout le monde entrons en nous-mêmes. Est-ce que nous ne sommes pas comme ces femmes-là? Est-ce que tu n'es pas comme cette femme? Tu vois l'enfant. Mais il y a d'autres enfants que tu veux tuer aussi. La kamata alors faut s'en attendre quoi? Mais oui. Tu es jalouse. Comment de soukiri? De quelqu'une, de quelqu'un. Neneda. Tu es jalouse de ce qu'il a eu. Comment de soukiri ne sera son pamboum de son emploi. Ne tuumdawa. Tu es jalouse de son mari, de sa femme. Comment de soukiri ne para mal soukiri ne. Tu es jalouse de sa moto. Mal soukiri ne montera ouais. Tu es jaloux de tout ce qu'il témoigne des bienfaits de Dieu le concernant. Tu es typique cette femme. Parce que voilà. Tu voudrais que l'enfant soit à toi. À défaut de ça, que le voleur vole cette moto et que l'enfant meurt. Hanka woto bi wadro wa zuk montera tabiga mi ki di tonu fa kongi ine seleni amoni a toi ta kayi mam den mamen katara bi nyeme rak pam ye hey soyon réel bi de et di si damba ta ton cœur o sura pour un tu es cette femme ko ya pukanga tu es vraiment cette femme ko men ya pukanga ine seleni amo ni a toi kana yi mam den da kana yi pomeren ye. Tu crois que c'est toi seul qui as la belle voix. Pourquoi te tuer ici? Tu vas mourir. Il s'élève, ne dit pas à chanter. Ha, ça c'est bien. Son orgueil, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à périr. Tu es cette femme. Ton fils est mort. Tu envies l'autre là. Nene da toi. Tu voles l'autre. On zouda. Tu ne fais pas la joie. Ouais. Pokaman sunoye. Mais regardez l'état du cœur de celle-là. La Jesse para sunra senda toto. Regardez l'état du cœur de celle qui avait l'enfant vivant. Jesse asomning bi senda qui est un vivant sunra yi toto. La manière dont il a scruté, il a regardé attentivement. Si c'était son enfant, il n'allait pas dire que ce n'est pas son enfant. Nesmara mengenge soma wa. Sanda mikamti anyi biga ndaka ya bikinga. Alakana yete kanyi bi. Si c'est la volonté que j'échoue, que son nom soit béni. Saya wenam dabtom konge bibiur pam pengere. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Wenam ko wenam lerere bibiur pam pengere. Mais si c'est l'échange là, je suis pas d'accord. La haya tekram pasake. Ça. Rien. Je ne suis pas d'accord. Pas ça que. Je ne serai pas prêt à laisser le diable voler mes bénédictions. Pas ça les énans sacs bâtis sous ton avoir zoomé barcaille. Impossible. Pas ça que. Écoutez. Quel rien. Nous avons des fils vivants. Tant à la comme Dieu les envie. Et ses enfants doivent vivre. La commande certaine qu'elle vive. Même s'il nous a déjà volé. Même s'il a déjà volé. Vous avez exécuté, vous savez que ça a été volé. Vous avez un dossier clair que ça a été volé. Montez en procès maintenant. Réclamez votre fils. Réclamez votre fils. Parce que la Bible dit que si je prends un voleur, il va payer au septuple. Avec dommage et intérêt. Job a dit dans Job 13, verset 18. Mais voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Mais voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Daniel a rempli, il était prêt à plaider sa cause. Daniel me l'a servi dans nous avons fait. Parce qu'il avait des dossiers qui prouvaient qu'il avait raison. Nous refusons l'implication de Satan dans nos vies, dans nos affaires, dans nos actions, au nom de Jésus-Christ. Nous ensemble dans ce temps qu'on n'ignore nous ton vivre pour un, ton tourner pour un, la ton azeka pour y. Le monde spirituel a une action, un impact dans le matériel, dans les finances aussi. Si tout ma, à quoi t'amène pour qu'on ignore pour un.
Oui. Njei. Le monde satanique agit comme ça. Sutana tuma ndika pouwa. Non. A manda woto. Ça veut dire le diable ça travaille pour saboter beaucoup de choses. Dans sutana tumda me nan samyam yela wusoro. Nous devons dire non. Concernant yam ti ayo. Pendant que les gens dormaient. Waka ningane ba son kwema. Oui. L'ange de l'Éternel là, c'est à quel moment qu'il a frappé les premiers fils d'Égypte? Zusova maleka. Le premier né là. Ya wakad bola yesen wa nku Égypte de na kama. À quel moment? Ya wakad bo. À quel moment? Ya wakad bo. À Yonsuka. À minuit. Yonsuka. Au milieu de la nuit. Yonsuka. Demandez à ces gens là, ils dormaient pas aussi? Sokini mama nge ba obra pa gwensi da. Ils ne dormaient pas aussi? Ba mera pa gwenye. Les Israéliens. En Égypte, ils ne dormaient pas. Israël n'est pas dans l'Égypte, on n'a pas gagné. Si vous ne dormez pas, vous dites à Dieu, réveille avec moi. Yam sanka gagné, yam yetanwe namia, yam wana rimam ti de gun. Parce que l'affaire de Dieu, le pouvoir est en nous. C'est voilà. Dans les vases de terre, c'est en nous. Voilà, wena miel na konton tora, ti ton zara tan las pour. Il faut que nous nous déplaçons pour que les portes s'ouvrent. Ranam ti ton menga yiken chene ti kulem sa ton rompa. Regardez l'arche de l'Éternel. Yesi kabo kogolora. Elle était faite de bois d'acacia. Obranga nana la ni acacia rado. L'intérieur c'est l'or pur. La pouwa rambolanga ni sanam ala ali. L'extérieur c'est l'or pur. Ayinga bolanga ni sanam ala ali. Les portes c'est l'or pur. Asan kungiriga faya sanam ala ali. Ça c'est le trésor. Nyoya. L'or là c'est le trésor, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nyoya ponga ya l'or ya si songo. Gloire à Dieu. Balkwenda. Les bois d'acacia là. Ça ni acacia rado. L'acacia est un bois vinaigreux qu'on peut trouver partout. Acacia rado ya ron son tuenyezi fa bala. C'est nous. Ya tondo ya tondo. C'est la chair. Ya yinga. Notre chair là. Ya ton yinga. Mais il portait un trésor. La yera zanda pongo. L'acacia apportait un trésor. L'or. Acacia rado zanda pong fi ya sanam alale. Et pour qu'il y ait victoire, en fait les lévites, les sacrificateurs devaient porter l'arche et se mettre devant pour se déplacer. Et à ce moment, Israël va remporter la victoire sur les ennemis. La unité d'Israël ne va pas remporter le Bébazougou. Et Mankour va la serrer en tout cas. Et quand vous courez, on lutteur et un tien et un nébaillon en pourra. Même quand ils étaient devant le Jourdain, Babam se voit un besoin de qu'il rattrape. Pendant 3 jours, rien. Bam yalsa, Zouna qu'il rattrape, on a fait un mot qui boum caillé. Donc il dit, mais portez l'arche de l'Éternel. Le bien les dit que quand vous courez, les pieds dans le Jourdain, Ricky Nora Nico, et le Jourdain s'est fendu en deux. La Zouna qu'il rattrape, bien aimé frères et sœurs, Babi non, on ne sait pas, on n'a pas. L'arche ne bouge pas. Quand vous courez, sans caillé, il y a un miracle. Mumban Kamani. Il n'y a pas salut. Frère Kabé. Il n'y a pas délivrance. Frère Kabé. Oui. Nge. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Ton zana pour en kanga, tan las pour. Il faut que vous et moi nous bougeons. La yam la mam, ton serre nyir rame. Et comment nous pouvons bouger? La ton na nyir rame wan to. C'est bouger selon la conduite du Saint-Esprit. Ya ne si son tabou. Dans la parole de Dieu. Wenam gomda pour. Prier selon la parole de Dieu. On pousse moi sans dire wenam gomda. Avec humilité. Ne si que menga. Avec soumission. Ne sacré. Et en ce moment, la wakar nos kanga. Paroles seront entendues. Obna ou ma ton gomda. Et nous, Dieu va nous donner la victoire. Et ceux qui ont fait les échanges là, on va reprendre nos enfants. Et reprenez vos fils au nom de Jésus. Reprenez vos fils. Il dit, je reprends mon fils vivant. Je reprends mon fils vivant. Ma soeur, mon frère. Quel est ton fils qui est mort? Regarde. Yes. Ton commerce là. Pour libre, ouais. Quand tu avais commencé, c'est fou. Vous sommes dans un signal, il y a fou. Ça marche. Il y a soma. Subitement, tam. Zin pour moi, tu avais quelqu'un de petit. Dans ton coin, tu étais le premier. Vous sommes dans un signal, il y a pipi. Aujourd'hui, tu es dernier. Runa font libre pour. Tu as commencé une bonne œuvre. Vous signez tout tongo. Quelqu'un est venu. Il a mis son nom. Ndika yure ningbe. C'est comme la Bible dit. Vous cherchez une fiancée et quelqu'un la prend se coucher. Il faut boire au pour pas là. Tenez le qui est gagné. Ça n'a pas de sens. Est-ce que des gens ne sont pas couchés avec vos fiancés? Rien n'est pas gagné en pour pas là.
Vous comprenez cela? C'est au-delà de ce que vous pouvez entendre, mais c'est simple. Des choses qui t'est destinées. Mais tu vois que c'est quelqu'un d'autre qui juste de ça, et toi tu n'as rien. Tu vois, mais comme tu as dira en tarin, tu faut qu'attendre ma fille. Et tu dis non, il y a un homme d'abord. Il faut, tu dis, c'est la volonté de Dieu. Hey. Hey, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai accouché il y a 3 jours. Et je sais pertinemment que c'est mon enfant. Personne ne peut venir. Pour dire que c'est lui qui veut et il échange mon fils. Je ne suis pas d'accord. C'est un travail spirituel. C'est une œuvre spirituelle. Il ne s'agit pas de faire des coups de poing et de se boxer. Non. Mais si toi tu acceptes, il n'y a pas de problème. La façon ça qu'il y a, il y a dans du quoi ça va. Hey, on récupère. On en dira là. Hey, rien de vivre. Récupérez votre fils vivant. Ayo. On dit non. Comme vous voyez là. Comme ces gens-là ont beaucoup de moyens là. Et toi, ton papa là, il est quoi? Faut pas moyen. Ton papa là. À 4 moyens. Il n'a pas de moyens. Pourquoi Dieu t'a donné le fils? Pourquoi Dieu a inscrit ton nom là-dessus? L'enfant est sorti de tes entrailles. L'enfant là, elle vient de tes entrailles. Biga yi fomenga peno. Voilà. Elle vient de toi. La yi ya fomenga rena. C'est ton idée. Ya fomenga on tansayele mana. Il Dieu l'a déposé quelque chose en toi. La wenam ninga boom fomenga pourin. Et tu as été enceinte de la chose. Tu forik bumba. C'était avec des luttes, des combats. La yi ne more. Et que l'enfant a pris forme. Di basko biga. Il a pris forme dans. L'enfant a pris forme dans tes entrailles. Biga rikini fomenga pourwa. Et avec difficulté. Netoro. Cette société a vu le jour. La tumda tumnora roya. Il a vu le jour. Tumnora roya. Et tu l'as donné un nom. Di fori kyuron kwen. Un nom qui appartient à quelqu'un. Yum yur se yane yur. Ne nous flattons pas. Mon fils n'est pas mort. Si vous voulez, alliez-vous derrière moi. Mon fils n'est pas mort. Est-ce que vos enfants sont morts? Est-ce que vos enfants sont morts? Mon enfant n'est pas mort. Dis, mon enfant n'est pas mort. Et il ne mourra pas. Je ne suis pas d'accord avec l'échange. La mort qu'on a déposée sur moi là. La pierre qu'on a déposée sur moi là. C'est moi, je vais m'asseoir sur cette pierre. Jésus même s'est assis sur cette pierre. L'ange est assis sur cette pierre. La pierre de tombale. La pierre tombale. On l'a roulé de côté. Et s'est assis dessus. Et ils ont pris le mort qui n'est pas ta mort. Et on t'a l'a mis sur toi. On a pris l'enfant mort mettre à côté de toi. Et toi tu te lèves, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Ça c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas de la volonté de Dieu. Écoutez. Si l'enfant est mort, il est mort. Mais mon enfant n'est pas mort. Hey, m'datam tiam yi sidni mam. M'datam te ton pam la matane winam. Tout le monde dit sidni winam ni ton tout la vie mais. Je veux te vivre à tara panga. Je veux que vous soyez un avec moi et que nous soyons un avec Dieu parce que nous savons que le Dieu que nous suivons, il est tout puissant. Je vous dis en vérité. Dieu qui m'a appelé. Si vous entrez dans la vision que Dieu m'a donnée, vous allez voir quelque chose se faire. Vous allez voir. Ça fait 7 fois qu'il va restituer. Ce ne sera même pas une seule fois. La nanlève il n'aura yopui. Mon frère, ma soeur. Laisse la médiocrité, ton incrédulité. Yala tu l'aurais. Nous avons affaire à celui qui a
qui nous donne l'être, la vie et le mouvement. La tonne béné somni son coton yinga coton vivre qui te tienne. L'or et l'argent appartient. À somni son son sanam la wazuri. À celui qui peut appauvrir, à celui qui peut enrichir. À somni son tuen qui te lève à zexoma, la tuen te lève en nom soma. Le téléphone est direct, ce n'est pas des intermédiaires. La téléphone à yaboum, c'est à direct, tire à kaye ta tuen, zaranen la taille. Ce n'est pas des intermédiaires. Quand tout zaranen la taille. Ce n'est pas des intermédiaires. Kaboum, ce n'est pas des intermédiaires. Je refuse. Je refuse la mort. Je refuse la mort à côté de moi. Je refuse la mort. 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 Écoute. Quel rêve? Je suis capable. Rien ne va chez toi. Pour vivre pour un Mumbai Caleb de Béye. C'est bien vrai. Yassida. Tu as le spirituel. Yassi pour un. Mais. Il veut te presser jusqu'à un certain moment. La ratungwira faut halti pour que tu perdes même ton spirituel. Faut sire mais faut voir Caleb taro sire bimeng. Tu dois t'imposer. Faut sire de main kiss mon kanga. Tu dois aller en procès. La photo tinga bourzi gne. Canadien même je ne connais de. Tu ne prendras pas ma chance pour donner à quelqu'un d'autre. Wena kwen la mamia ma. C'est à moi que Dieu l'a donné. Yawoto. C'est ainsi. Yawoto. C'est ainsi. C'est comme ça. Yaoto. Oui. Nge. Les trucs, les croisements là, c'est pour prendre vos. Vous ne savez pas. Calme. Quand on fait comme ça là. Ça va. Calme auto. Problème vous arrive et eux c'est bonheur. Y'a na yeti yelwa poyam nenge ti bam ketum. Ils n'ont rien. Au Qatar va fier. Ils n'ont que des enfants morts. Bam s'entare ya bikimse. Ils n'ont que des enfants morts. Au Qatar ya komkimse. Ils partent voir. Ceux donc qui travaillent dans les ténèbres. Donc quand tu viens ramener son tumblique moi. Aïe, quoi y a-t-il? Oui, il dit qu'il y a pas de problème. Aïe, quand ils sont voyés. Ils ne seront pas mieux que toi. Quand ils sont rien bon. Pourquoi ils seront pas mieux que toi? Et quand ils vont pas aller prendre quelque chose pour te donner, le donner pour qu'il soit plus grand que toi. Et pendant que tu dis que moi ton coin t'as son foyer. Mais il va venir prendre pour toi là. Les affaires dans la main ou à dire. Pour toi là. On dit pour rien là. Dieu pour rien dans la tête là. Donner. Ou à tirer un coin là. Kamakade. Ça ne sera pas ainsi. Qu'il garde pour lui. Ce que Dieu a arrêté pour ma vie là, je serai dans ça. Tu dois le réclamer. Faut te ramener un débon kanga. Tu dois dire non à l'ennemi. Un yel bien votre casaque. Tu dois dire non. Faut pas céder. Faut pas accepter. Rasaque, rarié. Tu connais ton fils. Faut m'y biribi là. Si tu l'as identifié maintenant. Ami kan fo banga biribla. Si tu as identifié ton fils maintenant. Ami kan fo banga biribla wa kat kanga. Tu dois le réclamer. Vous serez dans dire là. Mais si la ami kan men. Il y a des aînés. Des kam dans mambe. S'il y a des fils aînés. Ha ya ne bi ti birem sombe. Qui veut détruire. Ton date ça. Grandis pour détruire. L'ange de l'Éternel frappe. Vous comprenez? Moi, je ne parle pas avec la chair. C'est spirituel. Y'a si pour un. C'est spirituel. Y'a si gomme. Hallelujah. Barque maintenant.